C'est Dicomtiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Thank you.
Ce verset qui conclut la deuxième lecture de ce dimanche
résume le don de Dieu à l'humanité en raison de la résurrection du Christ. Ciel nouveau, terre nouvelle, frères et sœurs, c'est l'espérance de la vie à venir que nul mort ne peut détruire. Une espérance qui allume chaque jour la communauté des croyants. Les croyants qui doivent rester solides dans la foi et actifs dans le témoignage de l'amour. Espérance de la vie nouvelle et du bonheur avec Dieu qui nous pousse aujourd'hui à la persévérance dans la foi et au témoignage de l'amour fraternel. C'est le message que nous pouvons recueillir de la parole de Dieu en ce 5e dimanche de Pâques. Espérance, persévérance, témoignage de l'amour fraternel. À la lumière de cette parole, frères et sœurs, nous devons nous interroger. Comment notre style de vie de chaque jour manifeste-t-il la nouveauté de cette vie qui nous vient du Christ ressuscité? Faisons-nous effectivement des progrès sur le chemin de la progression qui est signe de cette nouveauté? Nous laissons-nous allumer par l'espérance dans les épreuves de la vie en tenant ferme dans les difficultés, sûr que le Christ nous partage sa victoire et sa force? Comment restons-nous fidèles au témoignage de l'amour fraternel? Comment demandons que le Christ nous donne en testament la veille même de sa passion et qui nous est rappelée aujourd'hui? Comment vivons-nous l'amour fraternel au quotidien? Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Si les vertus spirituelles de l'espérance et de la persévérance sont difficiles à appréhender, l'amour quant à lui est du domaine. Comme le dit l'apôtre Saint Jean, l'amour doit se traduire en actes et en vérité, et non par des paroles et des discours. Pour nous chrétiens, l'amour ne relève pas d'un choix à faire ou à ne pas faire, d'une option à prendre ou à laisser. Il s'agit d'un commandement. Celui qui est justement le signe de la nouveauté qui nous vient de Jésus, qui nous vient de la foi en Jésus, ne dit-il pas, je vous donne un commandement nouveau. Et maintenant, frères et sœurs, est un commandement que Jésus donne. Être chrétien, c'est vivre de ce commandement. Celui qui, s'ouvrant à l'enseignement des apôtres, franchit la porte de la foi, celui-là est agrégé à la nouvelle communauté des croyants dont l'amour est le signe d'unité et de communion. La Caritas est l'instrument de la charité, de l'amour commandé par le Christ en direction de l'intérieur comme de l'extérieur de l'Église, à intra et à extra. La Caritas est le service de la charité, pour reprendre les mots du pape paroissien, le service de la charité. Ces mots sont même presque synonymes. Le service de la charité est qui, ensemble avec l'annonce
partie qui part de la nature profonde de l'Église, intima natura ecclesi. La caritas est une dimension constitutive de la mission de l'Église, une expression de son essence même, dit le pape, et à laquelle l'Église ne peut pas renoncer. La source de la caritas, c'est l'amour qui se trouve en Dieu, l'amour trinitaire, Dieu lui-même, car l'Église qui a engendré la caritas trouve son origine dans son mystère de communion. C'est vrai, il appartient à chaque fidèle de vivre ce commandement nouveau du Christ. Chacun, chacune d'entre nous. Mais n'oublions jamais que le Christ s'adresse non pas à un tu, mais à un vous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est donc, frères et sœurs, un droit et en même temps un devoir pour tous les chrétiens de s'engager dans la vie de la caritas pour un service communautaire de charité organisé et ordonné qui est nécessaire. La caritas est nécessaire dans la vie de l'Église. Sanctifiez-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, venez. Ceci est mon corps livré pour vous. Thank you.
Yakitus no kete tia hama. No sofa no no mini kukuna. Cette espérance avec les yeux.
l'état de sa croissance. Comme à un moment on récolte de beaux fruits, même si c'est vrai que le service de la charité n'est jamais un chemin au bout du père ou parvient. Nous aurons toujours les pauvres avec nous, ainsi que nous allons avec le Christ. Mais l'espérance de ceux qui ont semé dans la vie est parfois perdue. Cette espérance en fait que des cieux. La récolte de rendez-vous, au vu de ce qui est aujourd'hui avec la stress. En communion avec son excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bressin, avec le notaire et président de la Capacité, ses administrateurs, ses directeurs, ses personnels, et tous les bénévoles engagés dans la nation caritative, nous voulons rendre grâce à Dieu à cet état de l'évolution de Caritas. Rendre grâce à Dieu avec vous, Monseigneur Capacité, qui est ici par la grâce de Dieu, le Père de la Charité. Rendre grâce avec votre famille, qui a pris conscience que l'amour du prochain, enraciné dans l'amour de Dieu, est une tâche pour chaque participe et pour la communauté et le désir de l'entière. Que Dieu soit béni pour le bien et le bien travail de ceux de vos dans le service des plus sous la plainte de tous ceux qui ont dirigé cette institution. Et pour la raison des membres de cette femme qui ont cru au nom de leur nom, ils ont écrit parfois dans la douleur cette histoire de cette époque. Nous vous passons d'abord les meilleures salutations et les félicitations de Monsieur le gouverneur de la région de Thiès. Nous avons le plaisir de répondre présent à votre invitation à l'occasion du jubilé des 40 ans de la Caritas de Thiès. La Caritas est au service des populations, en particulier les plus pauvres. Vos actions dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, dans l'agriculture, pour l'accès à l'eau, etc., prouvent à suffisance l'importance de votre organisation. Je vous félicite donc et vous encourage pour vos actions humanitaires et solidaires qui accompagnent et complètent les initiatives de l'État en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. La voie de protéger par les cotisations européennes pour les assurés en même temps. Oh.
commerciale et alimentaire avec les femmes, la direction. Merci au comité de ces impôts, président. Merci aux délégués qui sont là et au conseil de gestion. Merci aux organisateurs de cette journée. Merci aux donateurs. La même femme a dit que beaucoup de personnes ont donné leur participation pour la réussite de cette journée. Merci à eux. Merci à vous tous pour la présence. Le temps. Uma bem cupu. Esse é um fenômeno na Guiné-Bissau. O tempo acessa, não te esqueceu. O detigamis canamuri. E canamuri. O detigamis canamuri. E canamuri. E na tardana, e na lana. Que diabos a beba comendo. E canamuri. Na Caritas. C'est l'organisation de la charité, c'est le bras humanitaire de l'Église, si on peut dire, qui est organisé et qui implique tous les chrétiens. Chaque chrétien doit puiser de ce que le Seigneur a bien voulu lui donner pour le mettre en commun au service des plus pauvres. Et quelle que soit notre situation, il y a toujours quelqu'un d'autre qui souffre plus que nous. N'attendons pas d'être riches et d'avoir du superflu pour donner. Parce que Dieu donne à celui qui donne. Et tout homme peut donner du peu que Dieu lui confie pour aider l'autre qui est dans le besoin plus que lui-même. La Caritas, donc, cette journée, exalte le sens de la solidarité de l'Église. Mais l'Église ne travaille pas seule. Monsieur le gouverneur est là. Le travail de la Caritas est facilité par les autorités. Qui apportent leur contribution dans les informations, dans la validation des programmes, dans la recommandation des projets. Et cela, c'est un travail en amont qu'on ne voit pas, mais qui est très important. Il y a aussi tous nos partenaires des églises, surtout, et aussi d'autres personnes de bonne volonté qui nous aident. Donc aujourd'hui, j'ai la responsabilité de porter en avant cette œuvre et je remercie tous ceux qui y participent, tous ceux qui donnent de leur temps et de leurs moyens pour cette œuvre. Je remercie le directeur de la Caritas et son équipe qui se donnent jour et nuit. Et il y a beaucoup de bénévoles à la Caritas parce qu'on ne peut pas payer tout le monde. Et ceux qui sont là, c'est l'équipe permanente, petit nombre de salariés, mais le travail c'est à la base, les comités paroissiaux qui se donnent pour récolter les vivres, pour récolter les fonds, pour rassembler les participations et bien pour la vie de la Caritas. Vous avez vous-même suivi l'appel que j'ai lancé à tout le monde, puisque nous sommes tous concernés, mais
comme le peuple l'a dit, nul ne peut se sauver seul. Il faut que nous tous nous participions à cette œuvre de solidarité, que la Caritas était ébranlée. Mais les gens, au niveau des quartiers, même sans amener les dons et les contributions au niveau central, au niveau des quartiers des CEB, il y a eu beaucoup d'actions de solidarité qui ont été faites. Pas seulement par les chrétiens, mais par nos amis musulmans aussi. Nous avons aussi reçu beaucoup d'appui de l'extérieur. Nous avons reçu de l'appui des organisations caritatives sœurs. Et même nous avons reçu aussi quelques aides des chancelleries ici au Sénégal, comme l'ambassade d'Allemagne, par exemple, pour aider la Caritas à aider les plus pauvres, les plus impactés par la pandémie. Quantifier le bilan en chiffre d'affaires serait faux, parce que c'est quelque chose qui sort du cœur, qu'on ne peut pas calculer en termes de sommes qui ont été dépensées. Parce que la charité, c'est pas seulement donner de l'argent, mais être là pour celui qui est dans le besoin. Quand tu rends visite à un malade, tu fais œuvre de Caritas. Quand tu rends visite à un prisonnier, tu fais œuvre de Caritas. Donc depuis 40 ans, tous les bénéficiaires, chacun peut témoigner. Et je suis sûr que rares sont ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de la Caritas. Et surtout, il y a une action que l'on doit mettre en exergue, c'est le secours d'urgence. Les inondations, ceux qui ne peuvent pas s'inscrire à l'école, ceux qui ne peuvent pas se soigner, ceux qui vraiment ont besoin d'appui pour s'en sortir. Et la Caritas fait beaucoup dans l'anonymat, et surtout au niveau des paroisses, au niveau de l'évêché aussi. Parce que nous appelons à la solidarité, et comme je l'ai dit à la messe, ce que je peux régler pour aider mon frère, eh bien, je n'envoie pas les personnes à la Caritas, parce que moi-même, je peux faire quelque chose. Et cela, beaucoup de prêtres, beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans le font, et c'est tout cela Caritas, parce que qu'on soit musulman ou chrétien, on sait que Dieu est miséricordieux et que Dieu veut par nous que sa miséricorde atteigne tous les autres. J'appelle les politiciens à vraiment mettre en avant plutôt que leurs propres intérêts et à faire dans la paix et l'apaisement, parce que sans cela, bien sûr, ce pays ne peut pas aller de l'avant. La paix, la fraternité, le respect des autres et le respect de la loi et de la réglementation. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut respecter ce qui est établi pour la présentation des candidatures et respecter les procédures sur lesquelles on s'est mis d'accord. Si on se croit au-dessus des lois, des procédures, eh bien le jeu est déjà faussé à la base. Mais je m'appuie sur le message du pape, issu, en tout cas inspiré en partie, de sa rencontre avec le grand imam de El Azhar. Ouais. Fratelli tutti, nous sommes tous frères, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos différences, nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Et si nous sommes mûs vraiment par ces convictions profondes-là, beaucoup de différends, beaucoup de problèmes peuvent être réglés, parce que l'autre n'est pas un ennemi, mais l'autre est un frère et une sœur pour moi, parce que nous sommes tous croyants, tous œuvres créées par Dieu. Eh bien, si nous savons cela, il y a beaucoup de choses que l'on peut éviter et que l'on doit éviter par amour et par adoration au Tout-Puissant.
Thank you.
C'est dit comme Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde.